Pour trouver toutes les personnalités qui font rayonner, bouger le pays, suivez Rond-Point sur toutes les plateformes de Kennedy Lab tous les lundis à partir de 8h PM. Je vous rappelle que Rond-Point est une courtoisie de iCleanAD Import-Export. iCleanAD Import-Export, votre satisfaction est notre priorité. De iCleanAD Lab, service immobilier. iCleanAD Lab, service immobilier, votre endroit idéal pour confier la vente ou l'affermage de vos biens. Et de iCleanAD Lab, salon des métiers. iCleanAD Lab, salon des métiers, un bel espoir aux demandeurs d'ici et d'ailleurs, en quête de professionnels de qualité. Chers auditeurs et téléspectateurs, soyez au rendez-vous. Là, M. Bosro, bienvenue sur Pigou Espace pour l'exercice au bon point. On peut qu'il soit une initiative de Aknaïti la Fédia et puis patronné par Aknaïti Import Export, Aknaïti Service Immobilier et Aknaïti Salon des Métiers. Et je vous dis, avec nous, on va inviter qui est beaucoup plus spécial. Je vais observer une courte pause et on revient après. États-Unis ou bien Haïti, ou gagne un bagage ou t'as aimé faire arriver genoux par bateau ou bien par avion? Eh bien, si ce n'est pas un tout problème, iCleanAD Import-Export a géré ça sous des tiches. Et si ou t'as aimé ordonner n'importe bagage sous Amazon, Alibaba, eBay ou bien n'importe l'autre plateforme, qui ou en Haïti ou bien en diaspora, ou qu'à passer dans une bureau nous ou bien relé nous pour plus d'informations. Pour shipping nous puis back tout l'autre côté. Et pour vous, après devant partout, n'importe côté en Haïti, sans problème. Nous chita con nous. En Haïti, non? Numéro 11, rue Stéphane, Delma 60, Musso. Si aux États-Unis, passez dans 401 West Lantana Road, suite numéro 10, Lantana, Florida, 33-462. Ou bien, venez-nous dans 561-560-84-64. Et pas oublier, tout de numéro ça y est, WhatsApp sur vous. Avec service shipping, avec l'inédi import-export là, livraison produit garanti et en toute sécurité. Deux ou trois après la pause, mesdames, messieurs, chers internautes, merci de votre fidélité. Comme on avait déjà annoncé, je vous dis, on prend une donne carte blanche avec DJ, activiste, social, politique, Kémissa, Priscille. Bonsoir Kémissa, déjà son plaisir pour nous recevoir sur la plateforme Rond-Point et merci de ce qu'on a accepté l'invitation. Son plaisir pour nous sur la plateforme Rond-Point également et je me souhaite que la conversation va être très intéressante jeudi. D'accord Kémissa. Maintenant, juste avant que nous entrions directement dans le sujet 1, déjà sujet 1, vous rappelez, c'est qui Jean, mon point féministe, qui va participer dans la résolution de la crise actuelle. Mais maintenant, tant qu'on vient d'engager DJ parallèlement, déjà nous connaissons un milieu qui est très sensible, surtout il y a un niveau d'évolution pour faire un milieu, ça, un style musique pour t'avoir joué parce qu'il y a un public qui est adapté avec ton rythme musique. Maintenant, connaissant même en fonction du travail que tu as fait dans le milieu social, là, ton rythme musique vraiment a des accords avec toi. Maintenant, qui vient ou gérer relation ça entre activité entre mouvement social mené on s'en avait accepté DJ déjà nous depuis plusieurs années c'est une DJ femme qui est très influente. Oui, tout à fait. Et pour moi, quand répondre plus bien à la question, je pense que comme tu as remonté un petit peu dans l'histoire de la musique pour voir qui côté phénomène DJ ça sorti particulièrement en Haïti, nous pas pas trop loin pour nous dire à travers le monde, mais particulièrement en Haïti, qui gens que DJ ont venu évoluer. Et rapidement, ça m'a dit, c'est que et dans la fin des années 90, nous commençons à avoir des DJ qui, plus qu'opérateurs, qui ont pu animer des soirées. Et un petit peu plus tard, au début des années 2000, là, nous parlons plus vers 2010, nous commençons à voir DJ en l'autre genre, qui est directement influencé par ce qu'a fait à travers le monde. Côté que DJ, ce n'est pas seulement un opérateur de musique ou un animateur, mais c'est vraiment un artiste à part entière, qui a une influence, qui a une plateforme. Et c'est comme ça que je dis, après 2010, c'est question de DJ a venu pour un autre niveau et dans la culture haïtienne. Et malheureusement, pendant que l'apprend l'autre niveau dans la culture haïtienne, il est tout monté avec un ensemble de pratiques qui est néfaste dans la société. Parce que la culture est riche, et on a parlé de culture haïtienne, nous avons un pile tambour, nous avons un pile rite que nous tirons partout à travers le monde, et particulièrement en Afrique. Donc, c'est là tout pour aller une sorte d'amalgame côté que grand rythme que les rabodas qui est très populaire du côté des jeunes et que DJ aurait mis en pile tout. Et je pense que c'est pas un rythme là qui est problème parce que rythme là, il est dans nous-mêmes. Les tambours frappés, tout à l'heure, ils danser. Donc, rythme là, dans nous-mêmes, un rythme là, pas supposé un obstacle par rapport à ça, la vivre là. Maintenant, qu'on y a qui gens que, avec un rythme que nous potez monter, que nous fait une populaire, qui gens que, message pour aller difficile et c'est là qui peut faire un déclic dans tête, moi, l'aime décider d'entrer
La question DJ a pour moi qui gens que et moi qui a influencé un rythme qui très belle, qui très riche et qui gens que un café que bon message positif qui vient là-dedans. Et c'est comme ça que m'a décidé impliquer dans et façon que m'a projeté image, mais façon que m'a diffusé musique côté que moi toujours fait un tri côté que musique que m'a diffusé pas porter un message particulièrement à l'encontre de la femme et pour me faire suite à ça tout, faut comprendre tout. Pour qui ça au fait et même musique cap dénigrer famille c'est même famille encore cap danser c'est parce que il y a longtemps grand musique qui pas décrit certaines réalités sociales so, c'est des femmes de catégorie ça yo qui retrouvaient à travers rit ça parce que c'est la première fois les musiques a identifié réalité là on a parlé de tissourite de terre plate so mesdames ça yo yo retrouvaient à travers là parce que là parler de yo il a parlé de réalité par yo donc c'est kounien avec toute information ça yo mais même en tant que DJ c'est kounien qui gens que me cal orienter culture haïtienne là pour faire on l'autre style, on l'autre message passé et à travers musique et me passer plus bon gens que me ca faire c'est un message que m'a diffusé dans production que musique que m'a fait et pour me porter un autre message pour jeune qui regarde mieux de la forme maintenant il reste le fond en tant que DJ pas une mission de composer ou là pour sélectionner en fonction de ça composer déjà maintenant est-ce que maquette là déjà full ou jeune assez bagage pour sélectionner qui fait des créations un message qu'a véhiculé à travers Marcelio, ensemble avec ton message qui est plus ou moins positif. Alors, le travail ça lié à plusieurs étapes. À court et à moyen terme, si ma prête un simple DJ, c'est juste passer musique qui existait déjà. Donc, à dire la mission, c'est t'as filtré musique. Ça veut dire pas bail possibilité pour musique ça qui a des messages de gradin, pas passer à travers et performance. Mais ce que je fais depuis des années. Mais qu'on y a à long terme, je pense que pour arriver à atterrir côté ta remé arrivé à forme carrément rentrer dans production, mettre mes à la patte et c'est comme ça que depuis quelques mois déjà m'a travaillé sur des projets côté que même raboder ça veut dire porter des messages négatifs pour que ça me pas produire et venir avec un message positif et il y a plusieurs façons créatives pour faire ça et là pas gain limite ou gain diverses façons pour exprimer et nous voir ça à travers d'autres artistes qui des façons des textes que qu'on écrit qui pas forcément des textes c'est purement philosophique mais ça y a dégagé Jean yo dit bien là moi ka cité un artiste en fraîche la voix des îles qui dans texte message dans message texte li qu'on diffusait des messages qui très comiques mais qui tout décrit en réalité et de ça n'a cherché et c'est n'a remonté encore et plus loin et hier moi t'a entendu en musique de coupe et cloué donc c'est des monde qui ont hâte de dire des choses sans les dire donc je pense que c'est là pour nous arriver avec question musique là donc à long terme moi décidé rentrer dans travail ça c'est le fond entourer de artistes qui écrit bien pour porter leur message aux jeunes là débat vraiment pas sur la musique haïtienne mais les questions capable toujours poser qui secret au gain parce que monde ensemble d'artistes ça qui fait des musiques qui dégage des messages positifs ou même en tant que DJ qui la pour diffusion maintenant qui ça qui secret ça est même dans choix musique pour là c'est un peu l'audace parce que les moi t'ai fait commencer et on a dit oh comment on peut le faire parce que jeunesse là c'est ça qui a mené que yo voulait tendre comment on peut le faire imposer choix et me te gagne pile assez audace pour moi faire et me ca raconter des anecdotes côté que me gagne 3000 monde devant si moi t'ai lagué telle musique full là t'as prendre délai moi me décidé pas faire et ça pas jamais retirer rien dans samien au contraire public là vient dire ah DJ ça il joue différent donc parce que c'est pour ça me parler de audace parce que faut oser et faire des choix faut oser imposer ça va faire bien sûr jouer un équilibre ça consommateur vraiment parce que c'est pas pour tête même jouer quand même c'est m'a jouer pour full la cadence mais en pile audace pour faire équilibre entre qui ça va porter et qui ça que vous attendez et c'est choix ça que en pile artiste pas réussi faire. Et c'est pour ça que tout à l'heure, moi, j'ai fait et en historique de la musique. Ça veut dire, avant 2010, qui ça nous était content de nous pas content de Rabodaï, nous pas content de vie, mais ça et ça. Ça veut dire que de la même façon que un courant qui vient influencer la musique là, qui vient faire que c'est dans tout ça, si on garde comme ça que nous trouvons, de la même façon, le travail inverse là qu'a fait, il n'est pas facile, il n'est pas fait en un an, en un jour, mais si on a un ensemble d'artistes qui sont conscients de réalité, il faut faire travail inverse pour nous retourner sur le chemin vraiment que nous avons aimé pour la jeunesse haïtienne. Ou même qui en Haïti ou bien à l'étranger qui a un bien immobilier, tant que kay, terrain pour louer ou bien pour vendre, mais qui chita depuis les tikon comme taboumé ak berejen, kounye a bagay sa a coupé sec. Ak iClean AD Lab qui c'est la plus grosse plateforme que tout le monde qui en Haïti, kounye nan diaspora fait confiance. La connecter nous toutes bien facile.
Et puis, c'est où on peut client à vider sous chaque jour. Qui ça va attendre pour enregistrer sous plateforme noire? C'est soit ou enregistrer pour compte sous www.highcleanladylab.com ou bien ou contactez nous pour nous aider à faire ça plus rapide. Service bien immobilier, c'est pied coûte prend des vents. Pressez vite visiter nous. Si vous en Haïti, passez dans numéro 11 rue Stéphane, Delma 60, Musso. Adresse nous dans diaspora c'est 401 West Lantana Road, suite 10, Lantana, Florida, 33-462. Contactez-nous dans 561-560-84-64. 561-560-84-64. Tout de numéro ça yon WhatsApp sur yon. Si toutefois ou pas ka passe dans yon nan bureau nou yon, écris-nous sous info@highcleanladylab.com. Ou bien par WhatsApp qui c'est 561 560 84 64. Et puis, yon anjen nan sot appel nou an ap kontakte ou nan mwens ke 24 heures. iClean Haiti Lab, un trait d'union entre Haïti et le monde de la technologie. Numéro 11, rue Stéphane, Musso, Pétionville, Haïti. Ou écrivez-nous sur info@iCleanHaitiLab.com. Le sujet, c'est l'implication du mouvement féministe dans la résolution de la crise. En plus, il faut parler avec plusieurs amis. Il y a une mauvaise perception du mouvement féministe en fonction d'une mauvaise information ou de formation qui a été vis-à-vis du mouvement sérieux. Est-ce qu'on peut apporter plus de lumière à propos du mouvement féministe? Brièvement, il s'explique qui se concerne le mouvement féministe. Eh oui, c'est vrai que il y a une mauvaise information, une mauvaise éducation sur la question féministe. Et si on a parlé de féminisme brièvement, qui ça que moi te ka di c'est que l'on parle de féministe qui ça pour comprendre c'est que gen une catégorie d'hommes et de femmes qui considéré depuis des siècles que et gen une qui inférieur par rapport à l'autre. Donc c'est femme yo décider que système patriarcal a décidé que femme yo inférieur par rapport avec garçon yo. Donc c'est au cours de des siècles des années donc mesdames décider que non nous pas inférieur de la même façon que c'est vrai et biologiquement nous ka différent mais nous pas inférieur pour autant nous gain même droit pour nous participer activement dans la société à tous les niveaux. Donc c'est comme ça que des mouvements féministes t'avoir vienne créer pour que mesdames yo réclamer droit. Bien entendu les droits ou lésés ou toujours tomber dans l'autre extrême. Ça veut dire que si moi fais des années m'a souffri de droits lésés, gain pile chance pour venir faire le contraire tout connir pour moi opprimé on l'autre. Donc c'est piège ça peut-être qui vient faire que et féministe quand on mauvaise conception mais travail de base et qui veut dire que pour femme gain même droit dans société avec garçon même si nous différents, c'est ça qui est véritablement féministe et c'est travail ça que m'a essayé faire côté que nous arriver vers une société équilibrée et égalitaire. Sur plateforme iClient la média sur pig gauche pour la qui c'est bon point et avec nous c'est Kémissa Priscille avec la cause autour de mouvement féministe qui est capable de participer dans la résolution de la crise. Là. Juste avant d'entrer directement dans ce sujet, maintenant, pour nous parler de résolution de la crise à travers le mouvement féministe, maintenant, quelle lecture vous faites de la crise actuelle là? Bon, actuellement, là, nous avons une crise à tous les niveaux, une crise politique, en crise sociale et même en crise sanitaire par rapport avec la pandémie que nous vivons. Donc, là, on a parlé de crise là, il faut nous englober tout ça parce que l'une entre dans l'autre. Son mauvais ingérence sur l'échelle politique qui parle de tout ça qui gagne comme des gars, que ce soit dans la finance, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la santé, avec tous les facteurs. Maintenant, quelle lecture vous faites de la situation politique actuelle pays? Bon, lecture que je fais de la situation politique actuelle pays, c'est que nous avons une société qui est inégalitaire, ça veut dire que nous ne savons pas qui est capable de mener un bac véritablement, soit les gens qui ont mené, ils ont décidé de mettre en retrait, ils ont fait silence par rapport, ils n'ont pas dénoncé toute dérive, ou du moins, c'est les gens qui ont mené un bac, ils n'ont pas gain soit compétence ou bien soit volonté vraiment pour nous arriver vers un état de droit. Et c'est de ça qu'on a parlé de crise, c'est que chaque monde a une vision politique, mais ça qui est revenu, qui a un objectif commun pour son société, pour un État nation qui veut vivre, c'est qu'il faut vivre dans un État de droit. Et c'est ça qui va occasionner la crise là, parce que nous ne pouvons pas vivre dans un État de droit, parce que droit,
tout moun pa respecte, et droit femme, droit ti moun, et droit à la vie, droit à l'éducation, droit d'avoir un salaire décent, droit d'avoir la sécurité, en pile tout droit ça yo lésé, et c'est ça qui vient occasionner crise que nous gagnons jodi a. Est-ce que mouvement féministe c'est un mouvement qui réduit seulement en revendication pour égalité femme à garçon, ou bien c'est un mouvement qui a porté une revendication face avec une agence étrangère et même au niveau de dirigeants locaux? Oui, ça pour nous comprendre dans le mouvement féministe, c'est que même là que nous défendre en crise politique, ça veut dire que le combat féministe là l'aller avec et défense de droit ça que n'a pas là, et n'a pas gardé en cours de l'histoire. Et si nous faisons en retour en arrière côté que chute du Valier, mesdames, c'est très important dans ça, en même temps que y a gourmet pour droit tout, mais y a dénoncé un état qui pas et respecter droit tout le monde. Donc ou pas qu'a gourmet jodi a pour une catégorie sans tout ça pas rentrer dans combat pour et droit politique, pour droit politique respecté. Combat femme là, il fait partie tout de combat que nous t'aimer et mener pour une véritable droit. Mouvement féministe il constitue de plusieurs structures. Maintenant, qui gens ou un mode d'organisation différentes structures par rapport avec l'organisation, qui gens ou organisation structure ça yo par rapport avec toute l'autre organisation en dedans mouvement féministe là. Bon, n'a parlé de mouvement féministe, son ouais que en mouvement général côté que tout le monde d'accord que femme et garçon doit égal. Quand on a parlé de structure yo que malheureusement pas grand recensement de combien organisations féministes gagne en Haïti qui j'ai organisé yo gagne quelques-uns que me connais parce que moi collaboré avec eux, mais si n'a font état des lieux de qui ça existait, donc moi pas gagne des chiffres, pas gagne de combien organisations qui gagne par exemple. Mais et ceci étant dit, ça pas voulait dire que et si n'a fait un état des lieux que mouvement pas important dans combat que n'a mené. Et là moi j'ai cité des organisations que me collaborer avec eux, grande organisation féministe je dis que ça veut dire que on base de données de combien femmes dans société a qui était victime ou bien qui pas de victime, qui prêt pour mettre main à la patte, qui prêt pour encadrer l'autre femme pareil pour avancer. Donc c'est ça que c'est dans sens ça pour aller dans parler de un état des lieux de organisation qui existe. Il y a plusieurs organisations politiques mais qui toujours a qui c'est des organisations qui très décriées, qui toujours critiquées par la majorité de la population en fonction du genre organisé. C'est presque c'est seulement non critique qui est seulement avec un slogan et puis un monde a pas qui est tout monopole là qui a fait tout bagage. Maintenant qui genre mode d'organisation y est à l'intérieur de structure féministe? Bon, de ça moi constater gain en pile organisation qui font un travail extraordinaire côté que a encadré et des jeunes filles qui étaient soit victimes de violences physiques, verbales, qui étaient font travail extraordinaire après et premier tremblement de terre qui était gagné en 2010 à côté que tu accompagné tes filles dans camp yo côté que gon travail d'accompagnement à long terme qui continue pour faire éducation sexuelle yo, pour aider yo, et gon accompagnement psychologique pour et avancer après trauma que yo recevoir. Donc, il y a plusieurs organisations qui ont fait travail ça, et travail ça vraiment important pour pas créer justement et déséquilibre ça que n'a pas l'air parce que faut qu'on structure qu'il a pour encadrer et mesdames ça pendant ce temps que l'autre combat parallèle pour féminisme soit mené pour respecter quota par exemple, on connaît que son sujet qui fait et en pile débat 30% et pour moi c'est une discrimination positive, ça va veut dire pour faire un cadeau pour nous intégrer nous dans institution yo. Mais il est important pour mesdames et représenter dans chaque institution parce que j'aime dire nous sommes une société égalitaire que nous pouvons construire, pas qu'à une force côté. Si c'est qu'on partit dans une société qui faible, ça veut dire mesdames qui considèrent un objet qui paraît utile à rien, nous ne pouvons jamais arriver vers une société développée si tout le monde ne met pas à la part. Vous êtes un YouTuber, vous avez besoin de monétiser page YouTube, ou t'as aimé faire quoi à contenu, ou pas c'était tout pas si pas là, ou pas comme ça pour faire, pour qu'à une abonné à nous, tout ça essaye pas jamais réussi. Eh bien, je disais, ma présente au iClean et iBlab. Il fait un paquet qui est content déjà. Nous-mêmes, tout nous pourrions faire qui est content. Nous permettons de 1000 abonnés à 4000 heures de visionnement pour capable monétiser la chaîne YouTube. Ça fait dans 10 jours pour un petit casque. Pour plus d'informations, visitez-nous dans des adresses. Si vous êtes en Haïti, passez dans 11 rue Stéphane Delma 60 Missou. Et si vous êtes en diaspora, passez dans 401 West Lantana Route Suite 10 Lantana Florida 33 462. Ou bien contactez-nous dans 661 660 84 64. Tous les numéros ça ou gen WhatsApp sur. Si toutefois on est l'autre département, il est capable bon pour contacter nous par email nous qui c'est socialmedia@iclinedilab.com ou bien par WhatsApp nous qui c'est 29 18 68 68 ou bien sur la diaspora contactez nous dans 661 660 84 64.
et puis un agent dans cet appel nous a contacté dans moins que 24 heures. iClean Haiti Lab, un trait d'union entre Haïti et le monde de la technologie. Qui façon que nous porter revendication ça afin que pour l'idée réaliser ou de être capable d'atteindre niveau côté que par société égalité là. Bon, femme est toujours présente pendant toute histoire d'Haïti, même si que pas parler de femme est toujours présente dans le combat ça qu'on a parlé depuis avant l'indépendance, tu gain et femme qui était militaire, qui était dans l'armée indigène, qui était participé et pour arriver dans la révolution, même si on pas parler pas parler de yo. D'ailleurs, c'est dans fonti bref historique encore une fois, d'ailleurs c'est yo qui pas surveiller pour les mettre qui était cas dans habitation l'autre transmettre des messages pour rendre des combats stratégiques. Ça c'est en 1804. On est allé beaucoup plus loin. Tout à l'heure, on t'a parlé de chute du Valier, par exemple, pour que mesdames étaient crampées pour dire que nous voulons un état de droit, nous voulons une constitution. Et ils étaient très actifs pour une belle constitution de 1987 que nous avons gagné. Et au cours des années, combat ça a continué. Côté que mesdames ont réclamé droit, côté que il a agi en conséquence tout, ils ont continué à former tête, ils ont continué à dire que le système patriarcal qui dit que et l'aime fini l'école primaire, m'a pas besoin d'aller dans l'école secondaire ni faire études universitaires pour me participer dans la société à ou au moins c'est rester et au foyer, faire ti monde etc. Donc l'autre façon de penser tout qui va encourager et de nouvelles mentalités. Moi ce travail ça n'est pas seulement concerné par organisation mais commencer dans l'école, dans l'église pour gagner des nouvelles mentalités, des nouvelles façons de penser. Donc c'est pas seulement organisation féministe. Organisation féministe qui ça fait yo encadrer un système qui déjà là mais son travail qui supposé commencer j'aime dire dans famille dans l'école et dans l'église. Merci qu'il nous agressif tout monde l'a fait. Bon, c'était un plaisir pour me participer sur plateforme mon point parce que plateforme ça est important pour bailler des sujets de conversation place pour plus jeunes qui attendent pour plus jeunes qui ouais qui côté que arriver et message c'est surtout pour les jeunes petits filles qui viennent toujours quoi dans tête nous pas limiter rêve nous encadrer tout ça n'a fait avec éducation parce que nous tous gain droit pour nous participer dans vie active politique pays nous. Merci que ça son plaisir pour nous recevoir sur un plus grand espace dans mon point. Mesdames, messieurs, chers internautes, l'émission d'absolu, c'était Rond-Point. Et éviter, c'était Kims Agressive. Rond-Point, c'est une initiative de Haïti Haïti Lab Media et qui patronnait par Haïti Haïti et pour Export, Haïti Haïti Lab Service Immobilier et Haïti Haïti Salon des Métiers. Pas oublier à l'abonner avec toute plateforme sociale Haïti Haïti Lab, pour ça, pour garder toutes les dernières notifications. C'est pour moi-même, m'aller rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre numéro. Pour trouver toutes les personnalités qui font rayonner, bouger le pays, suivez Rond-Point sur toutes les plateformes de iClean Haiti Lab tous les lundis à partir de 8h PM. Je vous rappelle que Rond-Point est une courtoisie de iClean Haiti Import-Export. iClean Haiti Import-Export, votre satisfaction est notre priorité. De iClean Haiti Lab Service Immobilier. iClean Haiti Lab Service Immobilier, votre endroit idéal pour confier la vente ou l'affermage de vos biens. Et de iClean Haiti Lab Salon des Métiers. iClean Haiti Lab Salon des Métiers, rendrait l'espoir aux demandeurs d'ici et d'ailleurs en quête de professionnels de qualité. Chers auditeurs et téléspectateurs, soyez au rendez-vous.